Bonjour, c'est maîtresse Mariam de l'équipe Saboula.net. On va essayer aujourd'hui d'avoir une idée sur le déterminant. Qu'est-ce qu'un déterminant? Le déterminant, c'est un mot qui accompagne le nom. Il est toujours placé devant le nom. Exemple, la table, des stylos, les animaux, l'école. Comme vous remarquez, le déterminant est toujours placé devant le nom. La, des, les, et apostrophe. Le déterminant est un mot essentiel. On ne peut pas le supprimer. Exemple, le maître a une idée géniale. Si on essaie de supprimer les déterminants de cette phrase, on va avoir maître a idée géniale. Ça n'a plus de sens. Le déterminant s'accorde en genre masculin, féminin et en nombre singulier, pluriel avec le nom qu'il détermine. Exemple, père, c'est un nom masculin singulier. On peut ajouter le déterminant le ou bien un à ce nom. Mère, c'est un nom féminin singulier. On peut lui ajouter les déterminants la ou bien une. Il y a plusieurs types de déterminants, mais aujourd'hui on va voir seulement les articles. On a les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis sont le, la, l'apostrophe et les. Les articles indéfinis sont un, une et des. Pour voir plus de vidéos, vous pouvez visiter notre site web www.saboula.net.